bien sûr, madame, monsieur, toutes nos excuses pour ce léger retard accusé au démarrage de votre talk show qui nous permet tous ensemble d'amorcer le week-end sans Alicroche, bec à cela n'étienne. Nous serons ensemble jusqu'à 17h passées de 52 minutes, heure à laquelle nous mettrons la clé de ce programme, Le Monde en Relation, dans vos poches, espérant la retrouver vendredi prochain à la même heure, s'il plaît à Dieu, bien évidemment. Encore que vendredi prochain, ce sera un jour spécial et ce sera la fête de la nativité. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore ce vendredi dans le cadre de notre belle aventure, Le Monde en Relation. Et bien sûr, Le Monde en Relation, vous le savez déjà, c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir. Il y a Arthur David Mendim de l'autre côté. Bref, l'homme qui évolue dans l'ombre, il l'assure au niveau des cadres. Nous lui disons déjà bonsoir et surtout bon début de week-end. On n'a pas oublié Winnekak qui nous assiste cet après-midi. Et Landry, non, il ne s'agit pas de Landry, c'est plutôt Serge. Serge qui se trouve du côté de la diffusion. Nous lui disons également bonsoir et surtout bon début de week-end, cher ami. Un salut très, très amical au président directeur général de ce groupe, le groupe La Météo, monsieur Vendieu Donné, qui apprécie déjà tout ce que nous faisons au quotidien. Bon début de week-end à vous. Et nous avons également notre directrice générale, Aline Paulobam, qui apprécie d'ailleurs ce que nous faisons au quotidien. Étiez-vous tranquille, hein, chers téléspectateurs, on aura une invitée, hein, c'est une dame, une jeune artiste qui fait ses premiers pas dans l'univers showbiz. Elle nous dira quelle a été sa principale motivation, comment elle se retrouve dans cet univers et les difficultés qu'elle rencontre. C'est vrai, l'album n'est pas encore disponible. Ce sera une affaire, ce sera dans un avenir très très proche. De toutes les façons, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de ce programme. Elle, c'est Sandy Luana. J'espère que la prononciation est bonne. Elle est artiste musicienne. Avant de passer la parole à notre artiste, il y a les dames que vous connaissez déjà, qui sont déjà confortablement installées sur ce plateau. On va commencer par qui là? On va commencer par qui? Je préfère commencer par Odile. Odile, bonne arrivée. Ah ben merci Carlos, bonne arrivée. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aussi à tout le monde qui nous suit régulièrement avec Au Monde en Relation. Ça fait longtemps qu'on est pas passé par ici, mais c'est un bon retour aujourd'hui et puis on apprête déjà les fêtes. Tout à fait. Je souhaite aussi un bonjour à tous à Besolo qui m'a dit qu'il sera scotché. Je souhaite un bonjour aussi au PDG Dieu de Nevin et puis à toute ma communauté Massa qui m'écoute ces derniers temps beaucoup plus à Info TV et qui a fait, j'ai fait découvrir Info TV dans mon village et c'est déjà un exploit. Je salue tout le monde dans mon village et puis j'espère que ça se passe bien et aujourd'hui on espère que l'invité sera à l'aise et qu'elle pourra continuer à suivre Le Monde en Relation. C'est sans souci. Alors Landry Pierrette à Massayoga qui est également confortablement installé à ma gauche. Bon arrivée Landry. Merci Carlos, bonsoir à et toi. Et déjà félicitations. Merci beaucoup. Suis mon regard. Je suis ton regard, c'est vrai que ton regard, là, je ne devrais pas le suivre, mais je n'ai pas le choix cet après-midi, je de suis toutes juste les façons, ton regard. De toutes les façons, on en parle après l'émission. Je te pardonne. En public. Voilà. Bonsoir, merci. On dit bonsoir à nos téléspectateurs, à tous nos fan clubs Bafia, Kousseri, Douala, Ngaoundéré. On salue également le fan club de la diaspora. Et on dit bonsoir et on souhaite déjà bonne fête par anticipation à tous nos téléspectateurs fidèles, tous ceux qui ont choisi de nous regarder cet après-midi, ceux qui découvrent Le Monde en Relation aujourd'hui, qui découvrent même aussi également Info TV. On leur dit bonsoir et de rester avec nous pendant 52 minutes. On salue également le MIF qui est dans en studio qui a choisi d'être avec nous ce soir, cet après-midi. Donc, on lui souhaite un acte de passer des très bons moments en notre compagnie. C'est 52 minutes de fou rire, d'amusement. D'intense bonheur. Merci beaucoup, Landry Pierrette. Il ne va pas rentrer dessus. Voilà. D'accord. Alors, puisque nous avons accusé un petit retard pour le démarrage de ce talk show, alors, sans plus attendre, nous allons prendre la première articulation de ce programme. Occasion pour nous demander à nos téléspectateurs de s'installer confortablement à la maison. Alors, c'est vu sur la toile tout de suite et maintenant. Press start. Woody.
Bien voilà, nous sommes de retour hein, sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, vous avez dû le constater, hein, et puisque nous avons accusé un léger retard et du coup quelques articulations ont connu quelques petites difficultés. Bon ben puisque il y a des hommes dynamiques de l'autre côté de la diffusion, ils se battent corps et âme pour avoir hein, toutes ces différentes articulations qui nous permettent hein, meubler notre talk show. Alors, bien avant, on va peut-être faire un petit speech sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que j'imagine que cela rentre également dans l'une des articulations de ce programme, l'affaire de 2000 francs. Tu fais bien de parler de ça. Parce, ouais. On ne sait pas pourquoi ce mouvement qui est né en Côte d'Ivoire a pris de l'ampleur aujourd'hui au Cameroun. Parce que déjà, c'était en Côte d'Ivoire où on entendait, il y avait une blogueuse, où il y a une femme qui s'appelle Lolo Beauté, qui a l'habitude de parler dans les médias et dans les chaînes de télé. Mm-hmm. Elle parlait de 2000 francs et de ce syndicat, qu'elle approuvait même d'ailleurs. D'accord. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. On ne sait pas si le Cameroun, c'est une terre fertile. D'accord, mais Odile. Pour parler, on reviendra justement sur cette affaire de 2000 francs là, oui, dans quelques instants. La réalisation nous fait savoir que on peut revenir sur cette première articulation. C'est vrai, compte tenu du temps qui nous est imparti, qui nous tient véritablement à la gauche, parce qu'on a pas mal d'articulations à dérouler cet après-midi. Tout de suite et maintenant, j'espère que c'est calé. Eh bien voilà, madame, monsieur, nous sommes justement de retour sur le plateau du Monde en Relation après cette articulation. Merci déjà à la réalisation, hein, comme je le disais, qui fait mains et pieds liés pour pouvoir remettre toutes les articulations de ce programme sur les rails. Alors, actualité oblige, 2000 francs ou ça ou rien. Odile. Oui, j'avais déjà commencé à débattre là-dessus. Il faut bien préciser, 2000 francs de frais de transport à une femme, une copine qui t'a rendu visite, ou ça, ou rien, à prendre ou à laisser. Ah, je trouve que c'est un peu osé parce que déjà, 2000 francs de transport, on ne vend pas la femme. Vous savez, nous sommes les mères de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez piétiné un peu cette entité intermondiale. Entre autres, je crois quand même que 2000 francs, ce n'est pas un prix approprié pour dire, tiens, voilà, une femme est une marchandise. Je ne pense pas que nous soyons marchandises. Déjà, je crois que le phénomène est né en Côte d'Ivoire, comme tout à l'heure, je vous expliquais. Et entre autres, il y a eu Joya Moussa qui a parlé de ça dans son mur.
Et puis, ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. Tous les foirés de Yaoundé, tous les gars qui n'arrivent même pas à, draguer une fille, tous les frustrés qui n'ont rien foutu dans l'œuvre cette année, n'arrivent pas à donner l'argent des fêtes. Alors, ils s'accrochent là-dessus. Alors, on sort même des t-shirts. On dit, tiens, voilà, nous sommes le syndicat, il faut pas rompre. Mais il y a quand même eu des sorties qui sont assez intéressantes. Nous avons eu Mathias Onanguine qui a dit, voilà, c'est quoi cette histoire de 2000 francs? Lui donne la partie de 10 000 et quand il n'a pratiquement rien, c'est 5 000 francs. Ben, le syndicat dit qu'il va, ils vont lui porter plainte. Il y a Jean de Dieu Momo, le ministre, qui a dit, lui, en tout cas, lui, il est un sugar daddy et il paye cash. Cette histoire. Donc, en fait, cette histoire prend de l'ampleur, mais c'est vrai que c'est un peu de la rigolade. Et quelque part aussi, c'est un fait social parce que je me dis, vous savez, il y a la crise sanitaire, il y a les petits problèmes qu'il y a dans les familles actuellement. Même les fêtes se préparent un peu avec au compte-gouttes. On a l'impression que aujourd'hui, les fêtes de décembre ne se passent pas comme les années précédentes. Donc, peut-être ça revient. C'est peut-être ça que, ce qui a fait remonter un peu cette petite hantise concernant justement les frais de fêtes de fin d'année qu'on offre souvent à la famille, à la petite amie, à la tisa, je sais pas moi, deuxième, troisième bureau. Et il y a toujours ce petit problème-là qui survient, mais néanmoins, les hommes sont toujours très gentils. De toute façon, je salue tous les sugar dédiés. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Alors, moi, je voudrais te poser une question, Odile, avant de passer la parole à Landry Pierrette, à Mansayoga. Je voudrais te poser une question aussi, déjà, avant, un mec qui donnait 1000 francs, par exemple, le taxi à sa petite amie qui est venue me prendre 1000 francs, tu vois, on se voit demain. Si le syndicat allait jusqu'à augmenter un autre 1000 francs pour que ça fasse 2000, pourquoi est-ce que ça vous dérange? Mais ça nous dérange parce qu'on nous prend comme une marchandise. Mais vous savez, il y a des mecs qui vous donnent le taxi de 50, 100 000. Pour parler de marchandise. Mais c'est une marchandise parce qu'on fixe déjà un taux. Quand on fixe un taux, ça veut dire que quelque part, c'est déjà quelque chose qui n'a pas la valeur. La valeur, déjà, on nous rabaisse à 2000 francs carrément. Une femme, ça n'a pas de valeur. Écoutez, sans les femmes, vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas venir au monde. Nous sommes les mères de l'humanité. C'est nous les patrons, en fait. Ouais. Je vais vous dire la vérité. La femme, c'est le patron. Pour l'instant, on ne dit rien. On vous laisse gesticuler. Mais vous allez chercher l'argent, vous allez nous donner. Désolé de vous dire ça. Amusez-vous avec vos histoires de 2000, vous allez revenir vers nous. D'accord, de toutes les façons, c'est noté. Hein. Moi, je suis là aussi. Alors, Landry Pierrette, ton point de vue face à cette situation? Moi, je voulais dire que ça, c'est quelque chose. Moi, ça m'amuse tellement. Depuis que ça fait le buzz sur la toile. Premier rendez-vous, et puis un mec sort un billet de 2000 et te donne. Alors, quelle sera ta réaction? Carlos, ça dépend du charisme que tu exposes, c'est-à-dire que tu transposes devant le mec que tu as en face de toi. Ouais. Je m'en vais à un rendez-vous, peut-être un premier ou bien je sais pas trop. Hein, ouais. Avec tout mon charisme là, le mec là, il a le courage de me sortir 2000 et me donner. Non, il ne pourra pas. Ça commence comment? Et alors, quand il sort 2000, ça c'est ma question. Ça peut pas arriver. Si c'est ma réaction, je vais lui dire, gars, t'es 2000. Et à partir je vais lui dire, voilà, si c'est la décision. Ok, je vais lui dire, gars, t'es 2000. J'ai mon agent de transport. Là, Carlos, je voudrais dire que. Que ça dépend justement du charisme que tu dégages, que la femme dégage. Si il va comprendre qu'il n'est pas à la hauteur, il ne va même pas me donner avec tout mon charisme. Donc, ce que je vais faire, ma manière de me comporter, tu vas comprendre que si tu as seulement 2000, tu gardes tes 2000 là. Ou si tu as plus, tu vas me donner. Si tu avais 2000, tu vas créer 100 000 pour me donner. Donc, du coup, et moi particulièrement, ça ne me gêne pas parce que il faudrait cultiver, je souviens, les jeunes filles et peut-être toutes les femmes en général. C'est pour ça qu'il est très cultiver l'indépendance. Voilà. Rendez-vous alors avec être indépendant Indépendant, c'est-à-dire que tu as ton voilà. Tu as ton argent parce que vous pouvez manger, il fuit. Tu en restes arrêté pour la facture. C'est pas seulement une affaire de 2000. Il faut regarder tous les contours. Tu peux pas sortir de chez toi sans argent et tout. Et ben, si même c'est mon mec, c'est-à-dire c'est mon mec de depuis, de toujours, j'ai pas besoin qu'il me donne 2000 pour payer le transport. Je peux payer mon transport. Je viens chez lui, on peut voir un rendez-vous. Je paye même également le sien. Donc, du coup, ce sont des détails comme moi particulièrement. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Non, ça tombe bien parce que tu précises, tu prends la peine de préciser que bon, quand il s'agit là de ton mec à toi, voilà. Non, oui, oui, bien sûr, du temps. Là, à faire 2000 là. 2000 là, ça passe pas, ça n'a pas de sens. Voilà, là, parce que moi mon enveloppe est Yagadel. Je dois acheter une métissée là. Donc, du coup, il y a les filles qui s'attardent sur les 2000 là. Allez chercher l'argent. Non, non, il gesticule. Elle a raison, il gesticule. Allez chercher votre argent. On a dit cherchons l'argent vivant, hein, Carlos. Cherchons l'argent vivant de la fille. Vous n'avez pas besoin des 2000 de ce gars. Parce que je vous assure, allez, qui peut t'acheter les Bermudas, je sais pas où, à Mokolo, avec les 2000 là. Ça vous fera également du bien. Ça vous fera également du bien parce que à partir du moment où vous venez avec votre argent, bon, ben si j'avais mes.
Carlos, je peux dépenser sur toi. Je peux dépenser sur mon gars, Carlos. Je peux dépenser sur toi. Je sais que je vais récupérer sa fois 10. La femme, elle est très intelligente. Voilà, fois 5 ans. La femme, elle est très intelligente. Tu vois, si je dépense, je viens, je dépense mon argent, je te fais à manger, je paye. Je sais que je vais récupérer cet argent la fois 5 ans. Tranquillement. Tranquillement. Nous ne sommes pas très bêtes. Hein. Bon. Tu vois. C'est vrai qu'il y a une autre dame qui n'a pas la parole. Ce sera juste après. Elle nous donnera également son point de vue face à cette situation. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre cette autre articulation qui concerne justement la dame en question. C'est l'artiste annoncée dès l'entame de ce programme. Elle, c'est Sandy Luna. C'est Luna. Voilà, ouais, merci beaucoup. Luna. La précision en valait la peine, Landry Pierrette à Massa Yoga. Tout de suite, nous allons la prendre après cette petite virgule que nous propose la régie, je crois. C'est calé, c'est ça? D'accord, on y va. Alors voilà, merci beaucoup. Hein. Nous sommes de retour sur ce plateau du Monde en Relation. Et ce talk show, comme je le disais à l'entame, hein, qui nous permet tous ensemble de démarrer le week-end dans de très bonnes conditions, sans anicroche, après une semaine de dur labeur. Sandy Luna, qui est déjà confortablement installée sur ce plateau. Bonne arrivée, Sandy. Merci. Bon. Ça va bien. Attends, t'es crispée là. Qu'est-ce qui t'arrive? Un peu stressé. Ouais. Non, relax quand même. Hein? D'accord. Relax, parce que c'est vrai, c'est pas évident. Hein? Sur un plateau de télévision, c'est pas chose, surtout une première fois, c'est pas chose aisée. Alors, Sandy Luna, tu es sur le plateau. Alors, comment te retrouves-tu d'abord à Info TV? Je me retrouve à Info TV grâce à mon communicateur. C'est lui qui remplit mes programmes et c'est lui qui permet à ce que vous m'appelez. C'est comme ça que je me retrouve ici. Mmh. D'accord. Alors, Sandy Luna, artiste musicienne, elle est à son premier album. Avant de parler justement de cet album, j'aimerais qu'on sache qui est réellement Sandy Luna. On peut avoir un petit cours d'histoire sur toi. Sandy Luna, c'est qui? Originaire de... Elle est camerounaise, ça on le sait déjà. D'accord, Sandy Luna. Bon, le petit brief que je peux donner à propos de moi. Bon, je suis originaire de l'Ouest, l'Ouest Cameroun, Baganté. Deuxième d'une famille de trois. Les nobles alors. Oui, je suis... majoritairement bilingue et principalement anglophone, donc je m'exprime pas si bien en français. En fait, la musique, pour moi, c'est ma passion. D'accord, bien. Alors, justement, parce que tu voulais aller un peu vite en besoin, et là. Alors, parlons justement de la musique, ou alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a Odile et Pierrette qui aimeraient également avoir quelques informations sur toi. Bien sûr. En fait, pas sur elle. Je vais peut-être. Bonsoir d'abord, Sandy, et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir, Odile, et merci. Non, c'est Landry ici. Voilà, Odile à côté. C'est Landry ici. C'est voilà, Odile à côté. Landry. Alors, tu es très jeune et j'ai pu suivre ton premier son. Je vois que tu as beaucoup de talent. Alors, comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans la musique? Qu'est-ce qui déclenche ce pas-là en toi? En fait, cet amour pour la musique et ma passion, ça naît depuis mon adolescence, depuis mes 10-11 ans. Je pouvais et j'étais capable d'interpréter tous les titres de Michael Jackson et Beyoncé. Wow. Donc, pourquoi seulement Michael Jackson? Parce que c'est lui le créateur de la pop et il m'a toujours ému dans sa façon de faire ses chansons, danser, tout était organisé, tout était bien fait. Alors, je comprends bien, tu fais dans son style. Bon, je ne peux pas dire que je fais dans son style, mais déjà je tire mon inspiration de là. Mon style, c'est l'afro, parce que je ne peux pas copier directement la pop qui est aux États-Unis. Je dois faire de mon continent.
Bonjour Sandy. Bonjour Odile. Afiche. Tu viens de l'ouest de Banganté. Eh oui. Mais est-ce qu'il y a des accents Banganté? Est-ce que la culture Banganté t'a inspiré aussi? Peut-être ta culture, tu as dû mélanger peut-être avec la world music. Excuse-moi, mais tu fais quel genre de musique déjà? Je fais déjà la musique urbaine, l'afro. Et plusieurs autres rythmes, je sais pas. Oui, et la culture de chez toi ou bien la culture africaine, si tu as intégré ça? Si, la culture de chez moi, j'ai un son en particulier qui est Merci, Melapte, en Banganté. Donc c'est, tu remercies qui? Je remercie le créateur qui a permis tout cela d'aller jusqu'à ce point-là. Alors, tu as eu des collaborations, excuse-moi, pardon, tu as des collaborations déjà? Oui, j'ai une collaboration dans mon album. Quelle est ta chanson phare pour l'instant? Ma chanson phare de cet album, c'est Compliqué, le titre. C'est ma chanson. C'est venu d'une histoire compliquée que tu as eu avec un mec qui a été déçu, c'est quoi? C'est pas vraiment la déception. Pour moi, ce titre, ça vient du fait que nous, les Camerounais, en cette période, nous vivons en fait beaucoup de soucis. Et tout. Covid-19, manque d'argent, 2000 francs de syndicat. Tout ça, voilà. Le syndicat mélangé et tout. Donc, je me suis dit, chaque fois que je demandais peut-être à un frère, un ami, comment tu as passé ta journée, il me dit vraiment c'est compliqué. À chaque fois que je demandais, tout le monde, c'est compliqué. Ça ne passe pas. Quand je suis entrée en studio, le refrain a dû jouer. Quand j'ai placé ce mot, c'est compliqué. C'est comme ça que j'ai rempli les paroles. Justement, en parlant de compliqué, comment est-ce que vous vivez dans le monde professionnel de la musique? Est-ce que vous êtes toute nouvelle dans ce monde, vous venez à peine de commencer votre carrière. Est-ce que les difficultés ou alors ce que vous rencontrez au quotidien vous encourage à continuer dans la musique ou il y a des choses qui vous découragent? Franchement, la musique, c'est beaucoup de persévérance, surtout que je suis en train d'avancer individuellement avec mon équipe. Je ne suis pas sous un label, donc tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est moi. Et c'est compliqué vraiment jusqu'à ce point, parce qu'il y en a tellement de personnes qui vont tout faire pour vous ramener en bas, quand ils voient que vous êtes un peu en haut là. Il y a les producteurs, à ce point-là, il y a certaines de mes chansons qu'ils ont refusé de me donner, parce qu'ils se disent que non, pourquoi est-ce que je suis en train d'aller à ce rythme-là? Pourquoi est-ce que je suis en train de progresser comme ça? Ça, c'est ma difficulté, mais je me suis promis à moi de vaincre tous ces obstacles, parce que pour alors moi, Sandy, c'est elle qui écrit ces chansons, tu es toi compositeur? Oui, je suis auteur compositrice et ça m'arrive de le composer parfois et on peut dire corriger avec mon équipe, soit le producteur, soit on a une élection par exemple de la Sonata il y a quelques jours. Vous savez, il y a toujours des problèmes de droits d'auteur, surtout pour l'art musical qui est un peu compliqué. Il y a eu Até Bazar qui a été nommé, qui a été élu, excusez-moi. Notamment, entre autres, on n'a pas encore commencé la gestion, mais il y a déjà des conflits d'intérêts. Est-ce que vous pensez que les droits d'auteur, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les droits d'auteur camerounais actuellement en tant qu'artiste, notamment artiste musicienne, vu que c'est votre pôle artistique? Pour moi, je pense que le gouvernement doit permettre nos droits d'auteur. Nous devons être reconnus avec nos droits d'auteur, parce que quand déjà les snacks, les bars, tous ces clubs jouent nos musiques, personne ne paye. Et je ne sais pas comment on espère que nous puissions grandir dans ce domaine. Certes, il y en a plusieurs qui ont déjà fait ce nom. Et même quand ces personnes ont fait ce nom dans ce domaine, ils pensent à tout ce qu'ils ont traversé et c'est tellement difficile pour eux de tirer ceux qui sont en bas. Ils se disent que non, je ne peux pas, avec tout ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau. Je ne peux pas prendre un jeune talent, le mettre à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la musique reste à ce même point et on se plaint et rien n'avance. Alors, Sandy, pour revenir un tout petit peu sur l'album proprement dit, comment est-ce que tu l'as baptisé? L'album, comme je dis, l'album, je le baptise Melapte en langue baganté, c'est-à-dire merci. Merci. C'est un remerciement. Un album de combien de titres? Un album de 7 titres. Alors, c'est depuis combien d'années ou alors combien de temps tu le travailles? Alors, tu l'as travaillé pendant combien de temps? Cet album, ça débute son travail depuis plus de 2 ans, depuis 2018. Donc, c'était au fur et à mesure, plusieurs m'ont critiqué, pourquoi ne pas sortir en single au fur et à mesure. Moi, je me suis dit, je ne dois pas faire parce que les gens, je vois les autres faire. Moi, je préfère accumuler parce que c'est déjà ma passion. Je ne fais pas par comparaison, je ne fais pas parce que je suis certains qui le font. Je fais ça parce que je veux donner à un public où chacun pourra se reconnaître, si ce n'est pas par un titre, mais par un autre. Donc, c'est pour ça que je vais livrer. Y a-t-il des artistes musiciens dans la famille?
Non, il n'y en a personne. Ah, tu es la première. Oui. Alors, comment est-ce que la famille, hein, les parents, amis, autres, les amis, ton entourage, comment est-ce qu'ils ont apprécié le fait que tu sois artiste chose. En fait, pour dire, moi, je suis tellement dans mon monde, à moi, je ne partage pas trop. C'est juste maintenant qu'ils sont au courant. Il y a quand même des encouragements de la famille. Bien sûr, de la famille très proche, il y en a quelques qui encouragent, mais oui, il y en alors, a quelques. Tu te sens artiste? Bien sûr, je me sens et je sais que je suis prête. Ça veut dire je quand sais tu que marches, c'est vraiment. Ça veut dire quand tu marches là dehors, tu dis, voilà, c'est moi, je suis artiste. Hein. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Quel est ton modèle artistique, artistiquement parlant, camerounais? Il y a Salatiel, je sais pas, oui. Daphné, quel est ton modèle actuellement? Bon, principalement, Daphné, je l'aime beaucoup. Oui. J'ai eu à interpréter ses sons plusieurs fois dans mon lieu de service, dans les anniversaires et tout. Je l'aime beaucoup. Oui. Et actuellement, tu te produis quelque part, tu es invité à des cérémonies. Des manifestations. Pour l'instant, comme je dis, c'est mon premier coming out. Déjà, même mon voisin le plus proche ne savait pas que je chantais. Donc, même mes amis avec qui j'ai fréquenté, personne ne savait. Ils vont te découvrir à la télé sur Info TV. Oui, ils me découvrent. Bon, c'est vrai, j'ai commencé ma tournée. C'est vrai, j'ai commencé ma tournée depuis. Il faut rappeler que le clip en question, je crois, la sortie officielle est prévue pour. Pour le 20 décembre, qui est dimanche prochain. Donc, mais les téléspectateurs. Dimanche. Oui, c'est dimanche. D'accord, merci. Mais les téléspectateurs auront quand même l'occasion, en quelques secondes seulement, avec le concours de la régie, de découvrir un tout petit peu. Un a cappella. Pas un a cappella. Bon, merci. Ben, elle peut faire d'abord un a cappella. Bon, ce sera après. Bon, avant de poursuivre, alors, Sandy, on revient maintenant sur l'actualité qui fait couler beaucoup. Beaucoup d'encre et de salive relative à ce fameux billet ou alors à ce fameux montant 2000 francs comme frais de transport à remettre au fil. Bon, selon moi, ça dépend déjà de qui on a en face de nous. On n'a pas espéré, venant d'un pousseur, venant de quelqu'un qui se débrouille tout le sous la chaleur, sous le froid, sous la pluie, on ne va pas quand même le pousser à bouger. Si tu ne me donnes pas 10 000, là, sache que vraiment, tu ne vas plus jamais me voir. Donc, c'est en fonction des niveaux. Et 2 000, pour moi, c'est... Il n'y a pas un prix pour la femme. Il n'y a pas un prix. Moi, j'ai dit, je ne peux pas repousser l'argent de quelqu'un. Si tu m'as donné tes 2 000 et je vois que selon ton niveau, ça ne peut pas aller, moi, je vais prendre cela et je vais te dire, franchement. On voit Carlos qui a l'air très content là. Carlos, c'est très bien. Carlos, tu as bien parlé. Là, je suis d'accord avec toi que selon le niveau. Tu ne vas pas voir, je ne vais pas voir Carlos avec la veste peut-être de 100 000, il vient me donner 2 000. Mais je vais dire, attends mon ami, pourquoi toi tu as les vestes de 100 000 puis tu viens me donner 2 000? Si c'est encore un pousseur, je veux comprendre. Si c'est un commerçant, qu'il a un capital peut-être de 10 000, je vais voir qu'il a fait beaucoup d'efforts de venir me donner ces 2 000. Mais si c'est quelqu'un que je sais qu'il a la possibilité de me donner plus, de me rendre mieux de façon physique, sur le plan peut-être du vestimentaire et autres, il vient me donner 2 000. Vraiment, là ça ne va pas marcher, je vais repousser ton argent, je suis désolée. Donc, c'est bien, tu as précisé que selon l'apparence, selon les revenus de la personne qu'on a en face, c'est aussi ça. D'accord. Merci beaucoup, Sandy. Nous sommes toujours ensemble. Hein? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h52 minutes. Ce sera la fin de cette émission, hein? 17h52 minutes. Donc, pas encore, on peut encore se dire des choses. Mais tout de suite, ce que nous allons faire, hein? Nous allons directement du côté de la régie prendre cette autre articulation, ActuBuzz, je crois que c'est ça, tout de suite et maintenant. Start.
press start. Merci beaucoup à la forte et dynamique équipe de production hein, du Monde en Relation. Merci pour cette autre articulation, ActuBuzz. Alors très rapidement, Odile, comme je disais, compte tenu du temps que nous étions partis, qui nous tient véritablement à la gorge, deux actus. Hein. Il y a les régionales 2020 du 6 décembre 2020, et il y a des têtes bien connues déjà. Et puis, nous avons également la Sonacam avec la nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête un certain Até Bazor. Je souhaite déjà félicitations à Té Bazor que je connais particulièrement et qui est toujours quelqu'un d'assez humble. Je l'ai rencontré plusieurs fois déjà à la CRTV. On a travaillé sur 2-3 projets ensemble. Mm-hmm. Et je lui souhaite déjà une bonne chance. Je vois qu'il y a Dinali dans l'équipe, il y a DJ Billy qui va s'occuper du virtuel. Il y a aussi entre autres Le Prince et Yango. Je crois que cette équipe quand même est assez dynamique et on espère qu'il n'y aura pas les quoi comme les années précédentes où il y a eu des bagarres, où il y a eu la création des dislocations entre autres avec des syndicats qui ont été créer des associations, il y a le Massica, on ne sait plus vraiment où se retrouver. Mmh. On espère qu'avec cette nouvelle gestion, il y aura un nouveau dynamisme et une nouvelle donne qui va se mettre sur pied. Les régionales, les têtes sont déjà connues. C'est vrai qu'on revoit encore l'ancien délégué du gouvernement, Gilbert Chimivuna. Mmh. On a vu Tomeno Damjoya. Il y a entre autres beaucoup de têtes connues déjà qui reviennent et on espère qu'avec ces régionales, on pourra faire le transfert de compétences et puis et bien accéder déjà dans le processus de décentralisation qui est mis sur pied avec les CTD et les collectivités territoriales décentralisées. Mmh. D'accord, merci bien. Alors on va aller au pas de course, hein, parce que tout à l'heure à 18h, chers téléspectateurs, on a marqué sous aucun prétexte le rendez-vous, le grand soir, avec Serge Bondier et tout son panel, mais nous n'en sommes pas encore là. Le Monde en Relation tient les rênes sur Info TV pour l'instant. Alors, on va aller très rapidement prendre l'avant-dernière articulation, hashtag avec le concours de la régie, tout de suite. J'espère que tu n'as pas la règle du Seigneur. Ça ne me concerne pas. Ok. Bébé, tu avais dit que tu allais m'acheter ton iPhone 12, non? Ça va, laisse. Ah. D'accord. Bébé, les 300 000 de ma brésilienne. Eh oui! Ça va, laisse. Ah, ok. Et on va le faire, mon ce soir. Moi, sincèrement, je vais me suicider. Non, non, bébé. Bébé va les 5 000 alors. Bien sûr. Non, là, je te suis. C'est la loi du syndicat. Donne 500 à la gola. C'est passé parce que j'ai fait moi-même de mon âge. Regardez mon état, je n'ai pas l'habitude. Là, tu joues. Ramasse-moi ça. Mais je suis dans le syndicat des hommes. 2000 même, c'est beaucoup. En fait, je ne sais même pas où vous êtes quitté avec 2000 francs pour donner aux femmes. 2000 là, c'est beaucoup trop. Tu donnes rien. Tu oublies que quand un homme, une femme, c'est des kilomètres qu'il est en train de franchir. Tu oublies à l'insuffisance rénale, il doit garder son argent pour se soigner après. Parce que vous les femmes, vous ne foutez rien, vous êtes couchés. À faire 2000 là, tu vas nous tuer. Alors, Landry Pierrette. Oui, Carlos. Alors, regarde un tout petit peu cette scène. Ouais. Ce mec avec sa petite coco. Amie, sa coco, voilà. Et la coco lui propose l'achat de telles choses. Ouais. À peine il veut commencer à parler, les syndicalistes sont déjà entourés. Elle propose autre chose. À peine il veut commencer à parler, ils sont déjà là. Bon, mais comme il n'avait pas le choix, bon, il s'est dit que peut-être en donnant 5000 francs en cachette, ils ne vont pas voir. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le piège. C'est pour dire que tant pis pour ceux qui écoutent. La dame dans la voiture, la dame à bord. Oui, on a également la dame à bord de la voiture. 2000, c'est beaucoup trop. Hein? C'est beaucoup si trop. On vous donne déjà 2000, c'est énorme. C'est énorme. Pour elle, c'est énorme. Oui. C'est pour elle, c'est non. Je voudrais d'abord dire qu'il y a ces mecs qui parlent, ceux qui parlent trop de syndical là, ce sont des personnes chiches. Les gars qui ne donnaient même pas 500 avant. Donc, du coup, ils s'attachent sur cela. Tu es un mec qui ne t'a jamais donné 100 francs, qui ne sait même pas comment tu fais pour mettre une grâce sur la tête.
tu sais pas, il sait pas comment tu fais pour acheter tes sous-vêtements. Il parle, il est très, ce sont des gars qui sont très engagés dans le syndicat. Et tu te poses une question une seule seconde, comment il a fait pour avoir les 2000? Non, en fait, juste si je me mets avec quelqu'un, je sais ce qu'il fait pour avoir 2000 ou plus. Ouais. Tu comprends, je vais pas me mettre avec quelqu'un, un anonyme, je sais pas si, je connais pas son nom, je connais pas où il travaille. Voilà, je sais pas s'il est braqueur, ou alors il est magistrat, ou bien il est commissaire, ou bien il est commerçant, tout ça. Je dois connaître la provenance de son agent. Voilà, s'il vient me donner 2000, je sais d'où les 2000 proviennent. Mmh. Alors, tout ça, je voudrais dire que tous les gars qui parlent trop de syndicats, là, ce sont les gars chiches. Ce sont les gars qui ne donnent même pas son 100 francs aussi, qui n'ont même pas l'habitude. Ils ont toujours les motifs, ils créent toujours les mouvements pour ne rien donner. Et il y a aussi des gars très mougou, les mougou qu'on utilise là. Mmh. Bah, derrière, alors, quand ils sont assis ensemble, la gars ne donne même pas 5 francs. Quand il y a deux places avec sa gosse, c'est 50 000, 100 000 qu'il donne. Ouais. Il a le choix, il ne peut pas faire autrement. Mais quand ils sont en groupe là, ils t'induisent en erreur. On voit sur les réseaux sociaux ceux qui se plaignent. Mago est parti. Est-ce qu'il y a lieu de faire là maintenant pour avoir, pour donner plus que 2000 francs? Il faut appeler ta coco à la maison, à deux, à huit. Mais comment ça se passe d'abord que tu vas me donner? Justement, comment ça se fait? Comment ça se fait quand tu vas donner l'argent en public devant tes potes ou bien devant les syndicalistes? C'est deux places. Est-ce que si je dois te poser mon problème d'argent, est-ce que c'est en public que je le ferai? C'est deux places. Tu vois, je choisis le plus beau moment pour te poser mon problème. Si je demande 100 000, tu me donnes même 150 000. Tu vois un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des stratégies, il y a des. Nous, les femmes, on a toutes les stratégies pour mettre à terre toute cette décision de syndicat là. Donc, moi, pour moi, ça ne passe pas vraiment. Je reste sur ma parole. Et si je veux 100 000, vraiment, j'ai toutes les possibilités, j'ai tous les moyens de faire en sorte que le mec me donne 100 000. Voilà. Il y a Sandy qui a dit qu'elle ne peut pas repousser quelqu'un avec son mec. Ça dépend. Ça dépend justement si je sais que mon mec, lui, vraiment, il n'a pas les possibilités de me donner 10 000. Peut-être son capital, c'est 5 000 francs. S'il me donne 2 000, il a beaucoup fait, je vais recevoir ces 2 000 là. Mais si mon mec, je sais que d'ailleurs, peut-être, il a acheté la Yaris à Ozil, il a acheté le téléphone de Ceci à terre, il a donné 100 000 à Luna. À moi, il vient me donner 2 000, c'est que ça a commencé comme ça. Comment le saurais-tu? Non, bien sûr, je veux savoir. Je veux le savoir parce que ce sujet de ça ne se cache pas. Quand tu as un mec, ça ne se cache pas. D'ailleurs, il dépense, tu le sais. Quand il dépense plus, d'ailleurs, avec toi, il est caché. Tu le sais, donc, du coup, il y a des... Moi, je dis, on a toutes les astuces, nous, les femmes. D'accord. Pour mettre à terre toutes ces décisions. OK, les filles, nous sommes pratiquement à 4 minutes, hein, 4-5 minutes de la fin de notre belle aventure. On va prendre la dernière articulation de ce programme. C'est une articulation qui concerne notre invité. Et l'André Pierrette à Massa Yoga. Attention. On se retrouve juste derrière. Tu as compris, juste derrière. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, Landry, je te laisse avec notre star. Luna. Très joli prénom. Hein. Ça signifie la lune en espagnol, c'est oui, ça? Oui, oui. Oh lune. Là là. J'ai fait espagnol en quatrième. Moi aussi, j'ai fait ça. Quatrième, troisième, seconde. Comment te passe? Castellano, muy bien, pequeñito. Bon, ça va. Mangeons d'abord un peu Luna crue. Luna, comment tu vas? Tu t'es bien senti sur ce plateau? Ça va? Oui, ça va, ça va. Voilà, c'était pas trop stressé. Voilà, au départ. Mais tu as vu qu'on ne mange pas les gens ici? Au contraire, on amène des gens être joyeuse, on partage de la bonne humeur. Bon, dis-moi, quelle était la toute première question que tu as reçue sur le plateau? La toute première. Question de mes origines, d'où je sors et comment. Je suis désolée, c'est pas ça. Et comme c'est pas ça, je vais te poser une question un peu plus osée. La toute première question que tu as reçue de Carlos, c'était comment tu fais pour arriver à Info TV? Ok. Je te rappelle, c'était la toute première. Première. Et puis tu as dit, c'est grâce à ton communicateur. De quelle façon, que tu t'es retrouvé. Détecteur de mensonges, en fait. Donc tu as le droit de dire la vérité et rien que la vérité. D'accord. Parce que si tu ne dis pas la vérité, face à la deuxième question que je vais te poser, tu as un détecteur de mensonges en dessous de tes pieds. Si tu mens, ça va signaler à l'antenne, ça va sonner, en fait. Ça signale à l'antenne que tu ne nous as pas dit la vérité. Et tu seras obligé de dire la vérité. Donc, ça, tous tes camarades qui regardent les tous tes fans qui sont tombés amoureux là, toute ta famille, tes voisins qui ont découvert que tu chantes, ils vont constater que dès ta première sortie en télévision, non, tu as menti. Tu as menti. Donc voilà, on saura que tu es une chanteuse, une musicienne menteuse. Donc, dans ce que peut être une musicienne menteuse, dis-nous la vérité. Alors, Sandy, à quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel?
Bon, c'était à... La vérité, hein, parce qu'il y a le détecteur de mensonges en dessous de tes pieds. 16. À 16 ans. Oui. Ok. On applaudit parce qu'elle a moins celle qui l'a vérité. Elle était précoce. Elle nous sommes réel là au niveau de la vie. Moi, je dis qu'à 16 ans, tu faisais les mauvaises choses. Donc, ne fustre pas, ne fustre pas Sandy. Non, c'est pas dans l'objectif de te frustrer. Hein. C'est, voilà, c'est une question, c'est une rubrique un peu plus osée où on pose des questions. La première question, elle est relaxe. Et puis la deuxième, elle est un peu plus osée pour. Voilà. Bien sûr. Pas comme les autres invités qui m'entendent ici là. Alors, applaudissons encore pour être. On salue le gars, il était très courageux. Non, il était bon. Avant de partir, Sandy, alors, est-ce qu'on peut avoir très rapidement tes projets à long, à court et à moyen terme? En fait, mes projets, c'est déjà de relâcher mon album. My project is to release my first album that consists of 7 songs. And I'm expecting a reaction from my fans. I don't have yet a fan base that is solid, so I'll try to work on it. I'm expecting your videos to encourage me, your messages. I'm expecting that you guys should book me. I'm open. You can text me. You can leave me a text on my Facebook page. Yeah. Waiting that my other pages are functioning, like Twitter, Insta, or the other one. So I'm really open to you guys, and I'm waiting your reaction about this album. That'll be on all the platforms from the 20th December, this Sunday. Thanks. It's so amazing. Okay, my Facebook page is just my name simply, Sandy Luna. So you can type and you just Sandy Luna. Communicate from there. Yeah, Sandy Luna. Yeah. Okay. Yeah, Instagram, YouTube. Insta, yeah, it has the same Twitter. Sandy Luna. Yeah. We can try to hear you very soon. Yeah, I'll be open to you guys now. Always reply. Fais-nous un petit acapella, comme on n'aura pas. Let me do an acapella of my main song that has its videogram, because I'm starting with one videogram for the moment, depending on your actions, so that I'll know what to follow according to what you like best. So let me do an acapella on C'est compliqué. C'est compliqué is a song that can touch everybody. So let me start. C'est compliqué, oh, c'est compliqué. 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 T'as dû bosser dur pour une meilleure vie, mais ça ne marche pas. Ta famille, tes amis comptent sur toi, mais ça ne marche pas. C'est compliqué. Oh, that's true, that's good. Thank you very much. Like Rihanna, so complicated. She has a song. Do you know this song? Yeah, I know about complicated from Rihanna. Yeah. Yes. Mais de toute façon, ça ne sera plus compliqué. Hein. Bientôt, là, les vêtements te sont déjà grandement. Oh là là, thanks. Merci beaucoup, je reçois tout. Merci. Amen. Alors, les filles, je pense que c'est fini, c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, on applaudit. On applaudit fort. Merci, Sandy, d'être passé. Bon vent. Merci beaucoup. Et surtout, bonne chance. Alors, Landry, bon, c'est vrai que vendredi, c'est le 25. C'est le 25, oui. Je serai du côté de Bastien. D'accord. Bon, on se donnera plutôt rendez-vous. vendredi sur prochain, le temps pour nous. Une émission spéciale. Une émission spéciale. La préfète naturelle. Ouais, une émission spéciale. Alors, Odile, la semaine prochaine, de toute façon, je suis toujours là, je suis disponible, quel qu'en soit les cas, je serai toujours sur le plateau du Monde en Relation. Et on espère que les spectateurs, téléspectateurs, ça vous a plu. Et on vous dit à vendredi prochain. Merci beaucoup. Alors, Ben Vas, merci beaucoup qui était à la réalisation. On va saluer le petit Mif, le communicateur attitré, le communicateur Sandy Luna. Merci également à Arthur David Medine qui était là au niveau des cadres cet après-midi. On rappelle également, n'est-ce pas, le travail abattu. Hein, il a abattu le travail de fourmi, Ben Vas. Vous n'avez qu'à regarder juste derrière nous le background qui a totalement changé. Le logo même du Monde en Relation qui a également changé. Vous comprenez que Ben Vas ne les fait synthés, pas la matière. Les synthés ont changé. Voilà. En fait, merci tous beaucoup, les habillages de l'émission. Cher ami Ben Vas, pour tout ce que tu fais pour cette émission, Le Monde Bisous en Relation. Là-bas. Alors, merci à notre ami Georges, du côté de la diffusion. Merci au président.
président directeur général du groupe La Météo, M. Mvan Dieudonné. Finalement, merci à Aline Polovam, la directrice générale. Chaque petit peut rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent juste derrière nous. Le grand soir avec Serge Bondier. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Bonne fête de la nativité. Au revoir.